Salut les amis, c'est Oxy et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, on se retrouve pour essayer de survivre dans un monde plat sur Minecraft. Vous allez voir, c'est extrêmement compliqué. En tout cas, mon objectif sera de réussir à aller dans le Nether. On va voir comment on va pouvoir faire. En tout cas les amis, avant que cette vidéo commence, je vous invite comme d'habitude à faire péter cette barre de like, à commenter et à partager la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Et écoutez, mesdames et messieurs, je suis déjà en jeu, en train de survivre. Bon, déjà, ce qu'on peut voir, c'est que à l'horizon, bah, y a pas grand chose, hein. Pour l'instant, on a juste des slimes, et ça, c'est un énorme problème, les slimes. Alors, je vais augmenter un petit peu ma render distance, je pense. Hop, voilà, on va se mettre à 15 blocs. Et là, à 15 blocs, on peut voir qu'il y a un village là-bas. Et ah, les animaux commencent à pop. Ok, très bien. Bon, bah, on a le premier village qui se trouve dans cette direction. Donc ça, c'est nickel, ça va nous aider à survivre. J'espère vraiment qu'on va réussir à aller dans le Nether aujourd'hui. J'ai trouvé quelques petites techniques et tout pour pouvoir le faire, parce que il se trouve que dans un monde flat, bah, comme vous pouvez voir, il n'y a pas de gravier. Donc ça va être ultra compliqué pour faire un briquet. Mais on va s'en sortir. En tout cas, les villages, c'est la seule chose qui vont nous permettre de survivre. Alors, en plus des villages, déjà, les animaux, ça va pas être dur à trouver. Et en plus, du coup, on va pouvoir faire un max de commerce pour essayer d'avoir un max de ressources différentes. Alors déjà, je vais prendre tous les champs et tout ça. J'ai pas le choix. Il me les faut. Voilà, donnez-moi tout ça. Ah! Ah oui, bah oui. Ah bah oui, c'est vrai qu'il y a les gros slimes. Faut que je fasse attention. Là, les gros slimes, ça va être un calvaire. Alors, déjà, est-ce que j'ai quelque chose d'intéressant là-dedans? Bonjour, bonjour. Non, pas du tout. Par contre, je vais baisser le son du jeu parce que les slimes, ça va être absolument insupportable. Voilà. Bon, déjà, le premier coffre, eh ben, du pain, des graines pour les arbres. Eh ben, ça, c'est nickel. Des petites patates, des petites pommes. Eh ben, ça, c'est nickel. Merci beaucoup, monsieur les villageois. Eh ben, lui, il est en train de se faire des petites slimes. Ça, c'est nickel. On va récupérer quelques petites slime balls. Ça va me permettre de faire des blocs de slime. Oh, des bébés. Des bébés villageois. Je trouve ça trop mignon à chaque fois, les bébés villageois. Ok. Aïe! Casse-toi! Laisse-moi tranquille. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Encore du pain. C'est parfait. Alors ça va être nickel, le compas, pour retrouver mon spawn. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre à l'intérieur de ce village? Alors, rien de ce côté. Je vais manger un petit bout de pain. J'ai toujours 50 000 slimes qui vont me suivre. Alors déjà, on a la forge, c'est vrai, je suis pas allé dans la forge. Il faut absolument qu'on y aille. D'ailleurs, le forgeron, peut-être que lui, il va nous échanger quelque chose. Oh, sympa, la petite épée enchantée, là. Très, très sympa. Donc là, on a de la lave. Ça, c'est nickel, mais pour l'instant, je peux pas la récupérer. Wouh! What the hell? 3 diamants! Ok, très bien! Bah ça fait plaisir. 2 épées en fer et du pain. Waouh! Alors là, on est trop bien. Ok. Bon, bah ça c'est nickel. Ça fait plaisir. Ok, 3 petits diamants. Je sais pas encore ce que je vais faire avec. Est-ce que je les utilise pour faire une pioche? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Ce qui veut dire que je vais les utiliser pour faire une épée? Ouais, très probablement, on va faire une épée avec ces minerais. Quoique, à la limite, je pourrais faire quelques petits outils. Ouais. Je pense qu'on va faire une épée. On va clairement faire une épée. Donc, pour l'instant, j'ai déjà une épée en fer. Donc, ça, c'est nickel. Et on va pouvoir, du coup, continuer de faire les maisons avant de crafter quoi que ce soit. Il va falloir que je trouve bah, d'autres villages. Tout simplement parce qu'il va me falloir du fer. Il me faut un max de fer pour faire des sauts. Et ça, les sauts, ça va être relativement long. Ok, je crois que j'ai exploré tout le village. Du coup, je vais monter là-haut. Tiens, ça peut être une bonne idée. Je vais monter là-haut et je vais essayer de repérer le prochain village. Alors, le prochain village, il a l'air d'être loin, hein, il a l'air d'être très très loin, le prochain village, parce que je vois pas de village à l'horizon. Ok, bon, bah ça va être un problème, mais bon, c'est pas bien grave, on va faire avec. J'ai eu quoi? Ah bah j'ai eu un stick! Ah bah nickel ça, un petit stick! Ok, bon bah du coup, je vais partir dans cette direction, je pense que je vais assumer qu'il y a un village dans le coin. De toute façon, il y aura forcément un village au bout d'un moment qui va spawn. Ok les gars, c'est bon, j'ai trouvé le prochain village, enfin! Bon, il était relativement loin quand même, j'espère que le prochain encore sera un petit peu plus près. En tout cas, on peut voir qu'on a déjà une forge dans ce village. Donc ça, c'est cool. J'ai l'impression que tous les villages qu'on va avoir, ils auront une forge. Donc ça serait vraiment très très sympa. D'ailleurs, ça a l'air d'être un fat village. Il y a plusieurs villages l'un dans l'autre, là. Oh, je crois bien. En même temps, il y a 3 églises. Donc, je crois que ça existe, hein, ça, dans les villages PNJ, hein, d'avoir 3 églises. C'est juste les plus grands villages. Donc, écoutez, c'est pas grave si c'est un seul village. Ce qui compte, c'est d'avoir la forge, hein, déjà, dans un premier temps. Ok. Pas très intéressant cette forge, malheureusement. Elle ne m'aura pas rapporté du fer. C'est dommage. C'est vraiment très dommage. Il n'y a rien dans les fours, hein, théoriquement. Non, il n'y a rien du tout. Ce village est vraiment très très grand. Il est gigantesque. Alors là, rien du tout. Aïe! Laisse-moi tranquille, toi! Là, rien non plus. Tiens, un lit, ça pourrait être sympa à prendre. Hop, voilà, on va en prendre un. Les champs, hein, toujours, on va les récupérer. On va récupérer les champs. Voilà, tout ça, ça pourra me servir un jour. Désolé, monsieur le PNJ, je vous prends un petit peu tout ce que vous avez. Oui, je sais, c'est un petit peu relou, mais bon, j'ai pas trop le choix, hein, il faut que je survive. Toi, tu existes dans le jeu. Si tu meurs, c'est pas trop grave. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre dans ce village? Là, je peux rentrer ici.
Attention, ok, rien du tout. Rien du tout du tout. Hop, on va manger un petit bout de pain. Qu'est-ce qu'on a dans cette partie du village? Oh, il y a un cheval là-bas. Ah, bon, c'est dommage, j'ai pas de sel. Wouh, waouh, ça c'est une sacrée réserve de pain. Waouh, alors ça si je m'y étais attendu, c'était plutôt imprévisible. J'ai jamais eu autant de pain dans un coffre d'un village. Et là, normalement, dans cette maison, il n'y a rien. Il n'y a jamais rien dans celle-là. Il y a des bibliothèques, donc on peut faire une table d'enchantement. Ça, c'est cool. Mais là, dans l'immédiat, j'ai pas ce qu'il faut. Ah, mais oui! Étant donné que j'ai du diamant, je vais pouvoir faire une table d'enchant, les gars. Ça, c'est une très très bonne nouvelle. Alors, encore du pain, un max de pain, des patates, des pommes. Ça, ça fait plaisir. Toujours autant d'arbres qu'on va pouvoir planter. Pour l'instant, je garde mes ressources. Ok, bah écoutez, c'est bon, j'ai fait le tour de ce village. Et ça va déjà être l'heure de trouver le prochain village. J'espère qu'il va pas être aussi loin que celui-là. Mais bon, j'ai l'impression qu'il va falloir que je marche un petit peu. Alors, je récupère les champs, encore une fois. Ça peut me servir. Des petites carottes et tout, toutes sortes de choses. Hop, on récupère. Nickel. Ok, le village d'après était vraiment très très proche. Hein, donc ça, ça fait plaisir. Bon, par contre, malheureusement, j'ai l'impression de ne pas voir de forge dans ce petit village. J'espère qu'il y en aura une qui est cachée et que je la vois pas. En tout cas, pour l'instant, il n'y en a pas du tout. Ok, petite patate, de l'or, des pousses d'arbres. Je prends, ça peut servir. Alors ouais, il n'y a vraiment pas de forge dans ce village. Les champs, bon, je vais les laisser. Je vais pas récupérer tous les champs du monde. Là, j'ai assez récupéré de champs. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ok, petit coffre. Ok, encore du pain, très bien. Encore des patates et encore des pommes. Ça, c'est plutôt cool. Ok, alors cette partie du village, la partie la plus excentrée. Eh ben tiens, on voit déjà le prochain village qui se trouve là-bas. Qui a l'air magnifique d'ailleurs. Ce village a l'air super beau. Ok, bah très bien, ça fait plaisir. Enfin, on va pas avoir besoin de marcher pendant 30 km pour avoir un village. Ça c'est cool. Ok, bon, en tout cas, faut que je finisse d'explorer toutes les maisons. Ok les gars, écoutez, j'ai enfin trouvé des émeraudes. J'en ai 3, donc ça c'est cool. On va pouvoir faire un petit peu de commerce, notamment avec un forgeron. Je pense que ça serait le plus intéressant là, dans un premier temps. Faire du commerce avec un forgeron, là, il n'y a rien à l'étage. Je savais pas qu'il y avait une échelle ici, non. Ok, les gars, du coup, j'arrive au prochain village. Par contre, il commence à faire nuit. Là, ça va rapidement devenir un problème. Bon, ça va, vu qu'on est dans des villages tout le temps, je vais pouvoir aller dormir. Par contre, il n'y a encore pas de forge dans ce village. C'est un scandale. Vous auriez dû me fournir une forge. Bon, je vais essayer de dormir, voilà. Hop, en plus, ça va poser notre spawn dans ce petit village. Voilà, parfait. Bon, comme ça, au moins, on a passé la nuit. Et on a passé les problèmes de mobs, parce que là, dans les villages, enfin dans les maps plates, les mobs, ça spawn comme jamais. Bah déjà, vous voyez tous les slimes qui spawnent, absolument n'importe quoi. Donc imaginez des mobs, comment ça serait trop le bordel. Alors par contre, ça, le Blast Furnace, ça m'intéresse. Je n'ai pas de pioche malheureusement, mais je peux en crafter une assez facilement. Donc on va crafter une pioche, et on va pas faire une pioche en diams, hein, beaucoup trop de ressources demandées. On va faire une pioche en or. Je pense que c'est une bonne idée. Petite pioche en or. J'ai pas l'habitude de crafter cette pioche, mais en tout cas, c'est ce qui va nous servir. Et ben voilà, on a récupéré du coup le Blast Furnace. Et on a de la Smooth Stone. C'est trop mignon. Du coup, on est bien. Là, on a une pioche en or qui a pas beaucoup de durabilité. Il y a une forge, en fait, elle était cachée. Elle était cachée derrière, là-bas. Ok, nickel. Donc, elle a pas beaucoup de durabilité, mais bon, elle va nous servir. Et puis, au moins, on n'a pas eu besoin d'utiliser nos diamants. Wouh! Ça, ça fait plaisir. 6 émeraudes, des petites pommes et masse patate. Ok. Ça c'est pareil, les patates on va pouvoir les faire cuire plus tard. Ça va être plutôt cool. Ok, alors qu'est-ce qu'on a là-dedans? Un casque en fer, encore des épées. Ok, très bien, donc toujours pas de fer à proprement parler. En tout cas je peux récupérer les fours. C'est une première avancée, mais par contre malheureusement je ne peux pas ouais, ça me permet de réparer, c'est vrai. Malheureusement, tu sais quoi, je vais le récupérer. Malheureusement j'ai toujours pas trouvé de fer. Ça c'est un problème. Alors je pourrais essayer de tuer un golem. Le problème, c'est que les golems, ils ont les bras longs. Les golems, ils ont les bras très très longs. Mais remarque, on pourrait essayer, on pourrait piéger un golem et essayer de se le faire. Bon, là, remarque, il va bientôt mourir celui-là. Je pense que je peux le laisser agoniser, j'ai juste à faire venir le gros slime près de lui. Vas-y, viens là, gros slime. Regarde-moi ça, vas-y. Voilà, vas-y, tape-le. Allez, continuez de le taper. Tapez-moi ce golem. J'ai envie de le taper, mais il va me dégommer. Il va me dégommer. Il faut que j'aille chercher un gros slime. Oh les gars, le golem de fer est mort. Le golem de fer est mort. Il a looté un petit peu de fer du coup. Ça, c'est plutôt cool. Ok, il a looté un lingot de fer et une rose, je crois. 4 lingots de fer. Ok, sympa. Bon bah voilà. C'est bon, on va pouvoir commencer à faire des sauts. Et on va pouvoir rapidement commencer à faire le portail du Nether. Alors ce que je suis en train de me dire en fait, c'est que je vais me faire une pioche en diamant. En fait, finalement... La pioche en diamant serait carrément plus pratique. Parce que là, j'ai l'occasion de pouvoir me la crafter. Oh, bah dis donc, j'avais pas exploré cette maison.
J'ai l'occasion là de me crafter une pioche en diamant. L'épée en diamant, j'en ai pas spécialement l'utilité, j'ai masse épée en fer. Je pense très clairement que la pioche en diamant serait le meilleur compromis et j'aurais mieux fait de garder mon or tout à l'heure. On va faire la pioche en diamant, c'est ce qui va être le mieux pour nous. Donc on va faire ça, voilà, et on va crafter un seau. Mesdames et messieurs, voilà, petit seau. Tac. Et du coup, je vais récupérer mon atelier quand même avant de partir, hein, ça serait sympathique tout ça. À la base, je voulais former mon portail du Nether petit à petit avec de l'eau et de la lave. Mais en fait, je me dis que vu que j'ai eu l'occasion de crafter une pioche en diams, autant en profiter. Par contre, il me faut de l'eau. Heureusement qu'il y a des champs. Je vais aller chercher un petit peu d'eau. Voilà. Pardonnez-moi, Slime. Je vous snob un petit peu, mais j'ai pas besoin de vous. Hop, voilà, un petit peu d'eau. Et du coup, la forge, on va aller mettre de la lave sur l'obsidienne. Et là, c'est bon. Les choses sérieuses peuvent commencer. Bon, bien sûr, on va explorer d'autres villages. Hein. De toute façon, il me faut 10 obsidiennes. Hop. Alors, du coup, je vais faire... Tac. Voilà. De l'eau partout. Par contre, toi, tu vas venir m'embêter. Hé hé, je t'ai trollé comme on dit dans le milieu. Allez, je récupère un petit peu d'obsidienne et on est carrément bien. Ok les gars, écoutez, ça fait de longues minutes que je erre dans Minecraft de village en village et que je ne trouve rien d'intéressant parce qu'il n'y avait pas de forge. J'en ai enfin trouvé une dans un village abandonné. Et à savoir aussi, je n'ai plus de pain, je me suis fait tuer par un groupe de slime à un moment. Je me suis vraiment fait déglinguer et mon pain, j'ai pas réussi à le récupérer. J'ai récupéré tout le reste de mon stuff. Sauf le pain. Mais bon, c'est pas bien grave. J'ai 60 pommes. Oh, bah tiens, un cheval. Oh, yes. Alors ça... Oh, tu vois, c'est à cause de ce genre de slime là, que je suis mort tout à l'heure. Allez, meurs. Laisse-moi tranquille. Ok, on a une selle. Ça, c'est très, 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 très lourd, les gars. Parce que ça va nous permettre tout simplement d'avoir un cheval. Et si j'ai un cheval, eh ben, je vais aller beaucoup plus vite d'un village à l'autre. Alors ça, c'est vraiment une super nouvelle. Ça fait trop trop plaisir. Je vais pouvoir me déplacer rapidement une fois que j'aurai trouvé un cheval, hein, parce que maintenant il faut que j'arrive à trouver un cheval. Donc ça, c'est un autre délire. Alors là, je vois qu'il y a un autre village en face de moi, mais il n'y a pas l'air d'y avoir de forge. Peut-être un cheval caché quelque part dans un champ. J'ai pas l'impression. En tout cas, je vais quand même aller dans ce village faire un petit coucou au golem de fer. Tiens, est-ce que ça serait pas l'heure pour toi, petit golem de fer, de mourir? Accessoirement, ça m'arrangerait, hein, ça me rapporterait un petit peu de ressources, un petit peu de fer, tout ça, tout ça. Ça pourrait être sympa, ça pourrait être très pratique que je te tue. Le truc, c'est que t'es très résistant. Alors déjà, je vais mettre mon spawn point ici. Comme ça, au moins, si j'ai un petit désagrément avec l'iron golem, si je décidais par inadvertance d'aller le frapper et qu'il ne soit pas content, et bah au moins, je pourrais récupérer mon stuff plutôt facilement. Ok, encore des émeraudes. Alors pour l'instant, j'ai croisé aucun PNJ qui m'a permis de dépenser mes émeraudes de façon intéressante, quoi, j'ai envie de te dire. Parce que là, pour l'instant, bah du coup, tous les villages que j'ai explorés depuis que j'ai des émeraudes, il n'y avait pas de forge. Et moi, ce qui m'intéresserait, ce serait de commercer avec un forgeron, quoi, tout simplement. En tout cas, j'aimerais bien récupérer un petit peu de cobble. Du coup, on va casser une maison. Hein, voilà, hop, là, tout ça. Je vais récupérer ta maison et mienne à partir de maintenant. Ta maison n'existe plus. D'ailleurs, c'est pas la maison dans laquelle j'ai mis mon spawn, si on dirait bien. C'est pas bien grave, après tout. J'aimerais bien avoir la hache. Alors attends, toi, viens ici, j'ai quelqu'un pour toi. Aïe. Ah, ça va? T'es un petit peu agressif, toi. Viens. On va aller voir mon meilleur pote, le golem de fer. Voilà, vas-y, golem. Alors toi, venez là, là, il y a deux autres slimes. Venez. Salut, venez. Voilà, venez, là, il y a un magnifique golem de fer. Ça fait plaisir. Aïe. Allez, tapez-le. Tous ensemble, tapez ce golem. S'il vous plaît, occupez-vous de lui et pas de moi. Moi, je vais tout simplement aller récupérer un petit peu de cobble. Hein, donc vraiment, faites pas attention à ce que je fais. Ça n'a aucun intérêt pour vous, les slimes, de récupérer de la cobble. Hein, à vrai dire, je vois pas pourquoi vous me colliez comme ça. Laissez-moi tranquille. Ok, bon, ils ont pas l'air d'éther de me laisser tranquille. Par contre, le golem passe un mauvais quart d'heure. C'est exactement ce que je voulais. Ok, ça, c'est parfait. Alors, attends, golem, je vais te ramener d'autres slimes. Parce que t'as l'air d'être en manque de challenge, là. Attends. Venez par ici, petit slime. Venez voir notre nouvelle attraction, le golem de fer, le nouveau manège de tous les slimes. Venez tester notre nouvelle attraction, allez-y, il est là, il est présent, il est pour vous. C'est le golem, le go-golem de fer. Ah bah non, mourrez pas direct. Ah voilà. Aïe. Attends, parce que moi sinon je vais prendre des coups. Mais j'ai pas envie de prendre des coups. Voyez-vous ça? Aïe. Ah non, il a cassé mon truc. Il a cassé mon slime. Attends, je vais chercher un autre slime. Slime. Allez, viens avec moi. Viens avec moi, petit gars. Oh, bah nickel, regardez, il y a un autre gros slime qui vient de lui-même. Oh là là, le golem de fer qui passe un très mauvais quart d'heure. Mesdames et messieurs, c'est incroyable ce qui est en train de se passer. Allez, attention. Ok, nickel. Ok, il prend quelques petits coups, mais les slimes restent focus sur moi malgré tout.
D'ailleurs, il va falloir que je fasse des stacks de blocs de slime bientôt, parce que là, je suis complètement rempli de slime. Allez, j'aimerais bien qu'il meure, là, qu'on passe pas 50 ans sur ce golem de fer. Allez, viens avec moi, toi. Viens par ici. J'ai quelqu'un à te présenter. Est-ce que tu connais Goli Goli le golem? Non, tu connais pas, mais tu vas voir, tu vas le rencontrer. Allez, viens par ici. Eh ben, nickel! Regardez, il y a d'autres gros slimes qui viennent d'eux-mêmes. Alors, lui, il va crever, ça c'est clair. Voilà, nickel. Mais par contre, là je te ramène du gros. Allez, vas-y, tu vas mourir là. Oh là là, oh là, c'est bientôt la fin du golem, ça je le sens. Je le sens, j'ai presque envie de le taper moi-même. Mais le truc c'est qu'il va me dégommer. Allez, bon, tu sais quoi, on va ramener son slime. Et il commence à faire nuit. Bah tiens, c'est nickel, on en finit avec ce golem de fer. Et on va aller dormir avant qu'il y ait 50 000 mobs qui spawnent. Parce que ça va vraiment être un dawa une fois qu'ils seront tous arrivés. Allez, mon gros slime, vas-y. Vas-y, défonce-le. Vas-y. Oh là là, tu t'es fait tuer. Ok les gars, c'est bon, le golem de fer est mort. Voilà, allez c'est bon, je vais le récupérer. Hop là, nickel. Bon bah merci, maintenant je reprends ma route. Ça m'aura pris bien assez de temps de récupérer ce fer. Là j'ai combien de lingots? J'en ai 14. Wouh. Les gars, on va pouvoir finir notre armure. Ça c'est vraiment une très très bonne nouvelle. Donc bah tu sais quoi, je vais la faire tout de suite là, hein. Je vais faire toute mon armure en fer. Voilà. Ah ouais non mais par contre attends, parce que là les slimes ils sont collants. C'est un petit peu le but, mais bon, quand même, c'est relou. Alors, je peux pas faire toute mon armure, il va me manquer un lingot pour faire le pantalon. Mais bon, ce n'est que un lingot. Donc ça, ça fait plaisir. Alors, par contre, j'ai tellement, tellement de slime ball. Là, il faut que je fasse des blocs. Ah mince, c'est pas comme ça, les blocs. Ok, bon, bah, tu sais quoi, je vais tout jeter. J'en ai pas besoin, à vrai dire. Allez, salut. Eh, bah, direct, on a trouvé un nouveau village. Et bah, ça, ça fait plaisir. Allez, donne-moi une forge, s'il te plaît, parce que là, j'ai 4 obsidiennes. Il m'en manque encore 6, donc ça va faire 3 villages ça. Ok les gars, écoutez, il vient d'y avoir une longue ellipse. J'ai eu le temps de me faire 2 villages où il n'y avait pas grand chose. Mais là, je viens, mesdames et messieurs, de trouver un cheval. Il y en a 3 même. Bon, celui-là, c'est celui qui m'attire le plus. Il est plutôt... Eh mais attends, j'ai des pommes, tiens mon pote. Tiens, tu veux? Vas-y, mange des petites pommes. Tu devrais m'aimer là. Voilà, tiens, des petites pommes. Tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes ou pas? Je pense que là, on devrait s'apprécier tous les deux. Hein? Des petites pommes comme ça, ça t'a fait plaisir. Mais alors? Tu m'aimes toujours pas? Allez, je te donne plein de petites pommes, là. Bon, attends, je vais te donner encore plus de pommes. Ouais, mais c'est pour Trigène, normalement, les pommes. C'est pas pour... Ah, yes! C'est bon, il m'aime bien. Alors, malheureusement, j'ai pas d'armure à lui fournir. Du coup, mon petit cheval, là, va falloir qu'on passe au-dessus de ça. Hein? T'es d'accord? Hop. Ok, nickel. Bon, bah là, en plus, il est rapide. En plus, c'est un cheval rapide, donc ça, ça fait plaisir. Donc, ça va être beaucoup plus efficace, là, pour trouver des villages. Eh bah, tiens, regarde. Un nouveau village. Il faudrait qu'il fasse nuit. Alors, cette nuit-là, je vais pas la passer. Pourquoi? Parce que je pourrais faire une corde, là, tout simplement pour... Ouais, mais en même temps, il y a tous les slimes et tout. Donc, mon cheval, en fait, vaut mieux que je le cache à chaque fois. Je pense que ce serait un petit peu plus stratégique. On va voir où est-ce que je pourrais le cacher, là, une fois que je serai arrivé dans ce village. Est-ce que il y aura une forge dans ce village, surtout? Est-ce que s'il n'y a pas de forge, je m'arrête vraiment? Étant donné que j'ai un cheval, maintenant je peux aller quand même plutôt rapidement d'un village à l'autre. Donc je pense très clairement que je vais même pas m'arrêter dans ce village parce qu'il n'y a pas de forge. Et je vais tout simplement essayer de trouver le prochain village avec une forge. Et j'ai beaucoup de chance parce que là, il y a beaucoup de villages qui spawnent. Regardez, hein, le village dans lequel on était est juste là. Et il y a déjà un nouveau village. Allez, dis-moi qu'il y a une forge, s'il te plaît. Eh bien, malheureusement, toujours pas de forge. Mais bon, c'est pas bien grave, on continue. Alors là, j'ai l'impression d'avoir trouvé un très très grand village. Quoique, et j'ai pas l'impression... Qu'est-ce que c'est que ce bâtiment à gauche? Est-ce que c'est une forge? Ça y ressemble, hein? Ça ressemble à une forge? Oui, 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 oui. Mesdames et messieurs, nous avons trouvé une forge. Enfin, il était temps qu'on arrive à trouver une forge. Ok, super. Ouais, ouais, très très belle forge. Alors, je vais mettre mon cheval dans l'enclos, avec les moutons. Attends, les feuilles nous dérangent, visiblement. Hop, voilà. Ok, on met le cheval ici, comme ça, au moins, il va être pépouze. Et il va pas crever. Par des slimes, voilà, il est défendu. Et maintenant, je vais aller à l'intérieur de cette forge, simplement récupérer mon dû. Ah, je suis déjà venu ici. Ah, je suis revenu dans un des villages du départ. Ah non. Oh là là, j'ai tourné en rond, les gars. Oh là là, ah bah ça va être la même, ce village, je suis sûr, je l'ai exploré déjà. Ah, je viens de tourner en rond. Ok, bon bah ça veut dire qu'il faut absolument que je parte dans une nouvelle direction. Là, ça va être la même, je le sens. Oh. Ah non, le seum, j'ai tourné en rond, les gars. Ok, les gars, écoutez, je viens de trouver enfin une nouvelle forge. Donc, je récupère les 2 obsies. Il nous en manquera plus que 2, si je me trompe pas. Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Il va nous en manquer un petit peu plus. Il va nous en manquer 4. Donc, il faut que je trouve encore 2 villages. Bon, j'ai mon cheval qui fait sa life.
Mais bon, ça devrait aller pour lui, théoriquement. Je vais pas partir bien longtemps. J'ai juste besoin d'aller visiter. Bah nickel, il nous manque plus que un. Oh, on va pouvoir mettre une armure au cheval. C'est très très cool. T'échanges quoi, toi? Eh bien, tes choses, des choses intéressantes. Et ça tombe sharpness 1. Allez, et bah je te prends cette magnifique épée. Et je te donne mon ancienne épée en fer. Ok, parfait. Hop, alors le cheval, tiens. Petite armure en diams, on se met bien. Ok, et bon, c'est mis trop trop bien, les gars. On est nickel. Il me manque un seul obsidienne. Comment ça va raccourcir tout le truc? 3 obsidiennes, je m'y attendais tellement pas. Ça fait trop trop plaisir. Ok, bon, bah espérons que le prochain village ait une forge. Alors ça tombe bien, je viens de trouver 2 villages directement. Donc si il n'y en a pas au moins un sur les 2 qui a une forge, je ne comprends pas. Alors sur la forge, par contre, il va falloir que je conserve un obsidienne. Ça va être hyper important. Parce qu'il va me falloir de la lave, et il va me falloir même un petit peu plus de lave en fait que ce que je pensais. Il va falloir que je fasse tuer des... Il va falloir que je tue des golems de fer. Oh bah tiens, il y a 3 villages les uns à côté des autres, donc ça fait plaisir. Ok, donc là ça va commencer, on va commencer avec ce golem de fer, on va le tuer en premier. J'aimerais juste stocker mon cheval quelque part où il ne mourra pas. Je peux utiliser mon cheval pour me battre, mais... J'aimerais bien tuer ce golem. Il me faudrait un seau de lave. Avec un seau de lave, je pourrais tuer le golem de fer tellement facilement. Ça pourrait être une solution, à vrai dire. Ok, bon, en tout cas, je vais lui ramener des slimes. Voilà, venez, venez, mes petits slimes. Bon, bah, les gars, je viens d'explorer les 3 villages. Et aucun de ces 3 villages n'avait une forge, quoi. Vraiment, j'ai pas de chance sur ce coup. Mais bon, c'est pas grave, je vais retenter ma chance un petit peu plus loin. C'est bon, je viens enfin de trouver un village avec une forge. Donc, la lave qu'il y a ici, on va la conserver. Pour le moment, alors, on va voir. Hop, je vais abriter mon cheval avec eux, s'il y a moyen. S'il y a moyen, s'il vous plaît. Oh, pardon, j'ai tapé mon cheval. Oh non, ah bah oui, bah tu vas me détester. Ok, non, ça va. Ça va, ok. Bon, je vais aller dormir, ici, hein, vu qu'il fait nuit. Salut, 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 voilà, laisse-moi ton lit, s'il te plaît. Juste pour une nuit. Je te promets, je te dérangerai pas trop. Ok, très bien. Bon, mon cheval, je vais le laisser errer. Et là, ok, très bien. Donc, il y a juste une seule obsidienne dont j'ai besoin. La lave, après, on va la conserver, hein, tout simplement. Alors, ça, on va récupérer. Allez, allez. Vas-y. Oh. Je viens vraiment de perdre l'obsidienne dont j'avais besoin, là. Ok, très bien. Et bah, c'est ce qu'on appelle avoir de la chance. Hein? C'est super, ça. Alors, dis-moi, qu'est-ce qu'on a... Mais non! Et je viens de faire de l'obsidienne avec la lave ici, alors que j'en avais besoin. Bon, bah, ça veut dire qu'il faut que je trouve un autre village avec une forge, et que je récupère tout simplement de la lave. Je vais faire 2 nouveaux sauts, très bien. Et du coup, bah, dès que je trouve un village avec une forge, eh ben, je pourrai crafter ce dont j'ai besoin. D'ailleurs, je voulais me faire une hache depuis un moment. Donc on va pouvoir se la faire. On va faire une petite hache, hop. Et on va faire une hache en pierre, j'ai pas besoin de plus. Et je vais pouvoir faire mon pantalon en fer aussi. Depuis le temps que j'en parle, hop, le petit pantalon. Ça, je vais les garder, je voulais jeter cette épée, voilà. Et là, on va pouvoir récupérer l'atelier. Ok, très bien. Bon, bah du coup, c'est parti. À la recherche du prochain village. Alors, mesdames et messieurs, je n'ai qu'une seule chose à vous dire. C'est forge en vue. Regardez-moi ça. On a sûrement trouvé notre salut. Là, ça va nous sauver la vie. Alors, donc déjà, qu'est-ce qu'on a dans le coffre? Botte en fer, un petit peu de pomme et du pain. Ok, bon, jusque-là, rien d'incroyable. Par contre, je vais pouvoir jeter ceci. Remplir mes sauts de lave, voilà, très bien. Et maintenant, faire un portail vers le Nether. Alors, par contre, je vais envie de me mettre dans un endroit tranquille pour le faire. J'ai pas envie d'avoir des mobs qui me dérangent, voilà, notamment des slimes. Tac, donc je vais me mettre en haut, ici. Voilà, là, ça sera un très bon spot pour faire un portail du Nether. Tac, je vais casser toutes les slabs, je vais les virer, comme ça au moins j'aurai un endroit plat. Et je vais être tranquille pour faire ce que j'ai à faire. Ok, du coup déjà, voilà notre petit portail du Nether qui est formé, voilà, qui est créé. Et maintenant, il va falloir qu'on donne vie à ce fameux portail du Nether. Donc, pour l'activer, étant donné que je ne peux pas avoir de briquet pour le moment, il va me falloir un petit peu de bois. Voilà, on va prendre du bois, hein, qu'on va poser ici. Et ensuite, on va mettre de la lave tout simplement sur le côté. Et on va attendre, mesdames et messieurs, que ça prenne feu. Théoriquement, ça devrait prendre feu au bout d'un moment. Alors peut-être, si je fais ça comme ça... Aïe. Voilà, ok, et que je mets du bois. Voilà, là ça prend feu. Attention. Est-ce que ça va activer mon portail du Nether ou pas? Pour le moment, j'ai pas l'impression. Est-ce que si je mets... Alors, le bois a disparu quand je l'ai posé sur le portail.
Ça, c'est bon à savoir. Ok, alors là, pas l'air d'avoir fait grand-chose. Allez, s'il te plaît, active mon portail du Nether. Bon, les gars, je tente une autre technique, parce que ça ne fonctionnait pas. Hein, voilà. Donc, déjà, je me suis rendu compte que j'avais voulu faire mon malin à jouer en 1.16. Hein, la nouvelle snapshot qui vient de sortir. Et écoutez, c'était complètement bugué à chaque fois que le portail était censé prendre feu, ça annulait le truc. En fait, et juste, ça supprimait le bloc. Donc du coup, j'ai perdu un petit peu de temps, je suis repassé en 1.15. Maintenant, bah, j'ai changé un petit peu le système, c'est-à-dire que là, la lave est directement en dessous le bois. Donc on va voir, j'ai plus qu'à patienter, attendre que ça prenne feu. Et normalement, ça devrait créer un portail du Nether qui s'ouvrira. Oh les gars! Yes! Ça a fonctionné! Yes, 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 ça a marché! Trop trop bien! Comment je suis refait que ça ait fonctionné! Et du coup, le bois n'a pas pris feu par contre. Ça c'est marrant. Ok, bah nickel! Du coup, je peux aller dans le Nether! Yes, j'ai réussi mon défi! Comment je suis trop content! Hey, yeah! Bienvenue dans le Nether! Et comme vous pouvez le voir, eh ben, le Nether, lui, il est pas flat. Bon, bah du coup, je vais pouvoir récupérer des ressources que je n'ai pas. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais d'abord pouvoir jeter, je pense, ça. Ainsi que ceci, pourquoi pas les petites fleurs. Et voilà, on est vraiment pas trop mal sur les ressources jetées. Regardez, je vais pouvoir récupérer tous ces blocs que je n'ai pas et les ramener chez moi tout simplement. Et même, je vais pouvoir... Oui, c'est vrai. Ah tiens, j'aimerais bien avoir un petit peu de quartz. J'ai pas de quartz. Je récupère du quartz. Voilà, ça fait plaisir, un petit peu de quartz. Un petit peu de quartz, un petit peu netherrack. Yes, yes, yes. Et ben en plus, dès le spawn, on a quasiment toutes les ressources du nether. Il nous manque juste la solution. Ouah, par contre là, j'ai spawn dans une espèce de crevasse. Un petit peu chelou. Alors j'aimerais bien voir maintenant, est-ce que je peux trouver dans le Nether avec une flat map? Parce que la question que je me posais c'était, est-ce que le Nether dans les flat maps est flat aussi? Alors la réponse pour le coup est non. Et maintenant si on pouvait trouver un petit donjon du Nether, ça serait vraiment trop bien. Alors on peut voir, donc du coup ça c'est cool, que en fait il y a juste le monde qui est flat mais pas le Nether. Ça c'est vraiment cool, j'étais jamais allé dans le Nether avec un monde flat. Vous avez peut-être trouvé ça un peu débile, vous l'avez peut-être sûrement déjà tous fait. Mais moi, je l'avais jamais fait. Donc là, c'était un défi personnel, tu vois, de découvrir un petit peu ce qui se passe en survie dans le Nether une fois que tu as fait un monde flat. Par contre, c'est les ténèbres, hein, ce Nether là que j'ai spawné. Il part dans tous les sens et tout. Vraiment, c'est catastrophique. C'est une apocalypse. C'est pas possible, quoi. Eh ben, regardez, de la Soul Sand. Hell yeah, il nous manquera plus que de la Nether Wart. Et on pourra faire des petites potions par la suite. Ça va être cool. Alors, par contre, il me faut toujours la forteresse, s'il vous plaît. Ok, les gars, ça y est, regardez, on a une petite forteresse, là, dans le coin. On va pouvoir tout de suite aller la visiter. On va aller voir ça tout de suite dans un instant. Attention, petit pont pour y aller. Toujours plus pratique. Et du coup, maintenant, montons tranquillement. Mais sûrement, ça a l'air d'être gigantesque, hein, parce que regardez, on a un autre pilier qui est ici. Ce donjon du Nether, là, a l'air vraiment incroyablement grand. Allez, je vais rentrer à l'intérieur. Ok, les gars, ça y est. Bienvenue dans le donjon du Nether. Alors bon, malheureusement, je vois pas grand-chose pour le moment. Je sais qu'on va tomber sur des blazes assez rapidement. Ah, un Wither Skeleton. Salut mon pote. Alors par contre, j'ai une épée de ouf. Aïe! Tu m'as déjà mis Wither? Mais tu rigoles ou quoi? Bon, ça va, ça dure 5 secondes. Mais quand même, t'as réussi à me toucher. Ok, j'ai eu un petit peu peur. Quand j'ai vu le feu, je me suis dit, petit blaze caché comme ça. Ça fait plaisir. Bon, eh bien, écoutez, les amis, du coup, on va s'arrêter ici pour cette vidéo. Je suis content d'avoir fait ce petit portail du Nether, d'avoir réussi à survivre dans un monde flat. Donc ça, c'est bien. Ce qui est bon à savoir, c'est que dans un monde flat, bah, déjà, tu ne peux pas aller dans l'End, hein, malheureusement, mais tu peux aller dans le Nether. Tu peux créer un générateur de mobs, tu peux créer un générateur de fer, tu peux créer un générateur d'or, tu peux créer plein de choses. Et ça, c'est vraiment cool. Il n'y a pas vraiment beaucoup de contenu que tu peux pas faire, malgré le fait que tu sois sur un monde flat. Tu veux avoir des arbres de toutes sortes, et bah, t'as les PNJ Villager, là, les errants, là, celui avec ses petits chameaux, là, qui tue, là, enfin, c'est... Tu vois de quoi je parle, celui habillé en bleu et tout, lui, normalement, il peut te vendre des graines et tout. Les émeraudes, bah, c'est pas très très dur à trouver, donc, en gros, tu peux vraiment survivre et faire plein de choses diverses et variées en mode survie sur un monde flat. C'était rigolo de réaliser ce petit défi. En tout cas, les amis, si cette vidéo vous a plu, bien, n'hésitez pas, comme d'habitude, à faire péter cette barre de like, à commenter et à partager la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Et bien sûr, me suivre sur mes réseaux sociaux, Twitter, Instagram et ma chaîne secondaire. Tout s'affiche actuellement à l'écran et dans la description. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Sur ce, eh bien, allez, salut à tous, c'est Toxy. Salut tout le monde!